des promoteurs. Astronomia, la cocotique. Pour l'instant, ils ne sont pas sortis du 10, le score maximum que l'on puisse faire. Encore un 6 pour Kursik et un 5 pour Jesse. 665, 66 pour le Slovène. Certainement les compétiteurs les plus présents sur toutes les disciplines du tir à l'arc, qu'ils soient olympiques, que ce soit en salle ou dernièrement le tir en campagne. Il a certes pas le palmarès de Dave Cousins, mais Jesse Bobbacher, c'est un crack, comme on dit. Un archer professionnel. Il dédie son temps à pratiquer la discipline du tir à l'arc, s'entraîner physiquement, mentalement, techniquement. Un devant important, au moment où Sloven veut tirer sa flèche. Pas évident, il attend la fenêtre la plus à propos pour pouvoir aligner et ajuster son tir. Six points pour le Sloven. Six, six, six. Voilà, six flèches tirées. Avec le score maximum que l'on puisse obtenir en tir en campagne, c'est-à-dire 6 points. Le jaune permet également de réaliser 5, mais le centre de la cible permet de réaliser 6. C'est bien sûr ce que cherchent les archers à ce niveau-là. 18-17. Ah. As soon as it's finished, can I get the mic for the 70? Mic? Microphone? Dernier match du championnat du monde, 23e de ce nom, à Val d'Isère. Alors pour tous ceux qui n'ont pas pu assister à tous les matchs, sachez qu'on a décroché deux médailles d'or avec l'équipe de France. Ce matin, vers 9h40, qui était Marion Vivès, notre jeune junior, a remporté son premier titre de champion du monde. Ensuite, cet après-midi, historique, il en parle à la main. Remporter aussi la médaille d'or dans ces phases finales. Hier, on a eu aussi la joie d'avoir les filles sur le podium par équipe et puis les hommes. On a eu aussi la médaille de bronze. La France performe, la part en France est pourvoyeur de médailles. On ne peut que s'en réjouir. Je vais vous donner des médailles, donc je vais vous présenter.
ladies and gentlemen, right now the single target for the last gold medal match of this World Championship. Big applause for the two archers, please. JC Browater. For USA and Justin for Slovenia. High score, 17-17. Pour l'instant, Blanco n'est pas sorti du 6 ses 4 premières flèches. C'est-à-dire le score maximum que l'on puisse réaliser. Match de très haut niveau qui se déroule sous vos yeux sur cette seconde cible. Ils sont proches du score parfait. Un point de perdu pour l'Américain, pour l'instant, 5 points de perdu. Pour l'Américain, 5 pour le Slovène. 6-5 pour Jesse Bobwater, 6-5-5 pour Lasko Kirstik from Slovenia. 34-33. Go USA, go USA! Liner. Really close in. 45-44. 45-44. Pour l'Américain. Score très très serré. Vous voyez les performances de ces archers qui sont capables de ne pas sortir du jaune. Capacité à se mobiliser mentalement, physiquement, techniquement pour délivrer des flèches parfaites. Alors qu'il faut contrer la pente, vous voyez un dévers sur la droite,
qui embarque souvent les archers sur la droite de la cible. Il y a un gain de trait, c'est-à-dire qu'il gagne de la distance, puisque la distance est à 45 mètres, mais finalement il va tirer pas loin des 43 mètres. Il faut gérer tout ça, c'est pas évident. Pour revenir au score, 6 points to be square, 6 points. Qui sera champion du monde dans quelques minutes. Dernière cible. Égalité 50-50 entre Jesse Groundwater et Sebastian Kersick. C'est la dernière cible de ces championnats du monde, mesdames, messieurs. J'aimerais que vous vous rapprochiez tous des athlètes. Permet aussi d'honorer toute l'organisation de ces championnats du monde et puis l'ensemble des personnes qui ont contribué à la parfaite réalisation de cet événement. Trois points, trois flèches, pardon, pour finir. Closer les débats, aller chercher la première match du podium, aller chercher cette médaille d'or, tant convoitée par de nombreux archers. Les archers qui se concentrent au maximum, qui décident de revenir, peut-être pas dans les meilleures conditions pour délivrer cette première flèche sur cette cible de 60 mètres. Trois flèches pour aller chercher la médaille d'or. Un petit peu devant, vous voyez, ils se regardent, ils se comprennent. Finalement, ils vont tirer en même temps, ça voudra dire que la fenêtre de tir sera quasi parfaite. Peut-être 6 points pour l'Américain. C'est un 4 pour le Slovène. Un point d'avance, peut-être 2 pour l'Américain. Pour le Slovène, 6 points pour Jesse Goldwater. C'est ce qu'on dit, money time. C'est l'heure de les coller dedans, comme on dit. Ben, il sait le faire, 2-6 d'affilée. On va aller chercher la médaille d'or. Au moment où il faut faire la différence, arriver à élever son niveau, arriver à être complètement relâché dans son tir pour frôler la perfection. Toujours difficile à tirer cette dernière flèche.
Rester dans ce match est un 5, je pense que la messe est dite. Il semblerait que Jesse Bonnefer ait remporté cette médaille d'or. Nous allons attendre la confirmation des juges, mais vraisemblablement il n'y a pas de cordon pour l'archer slovène. We are waiting for the judge confirmation, but gold medal match, gold Cameron medal match. Big applause for USA for Jesse Bonnefer, please. Big applause against Slovensko Kursing for Slovenia.